Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus Retro. On est de retour avec les Caflips pour de nouvelles tracks. Regardez ce petit BG Elite Luck grade 6 que j'ai eu là sur les derniers combats que j'ai fait. Donc voilà, ça fait plaisir, l'objectif du jour les potos, on est niveau 79, il nous manque plus grand chose pour le up 80. Et justement il y a quelque chose qui manque dans ce stuff. Vous voyez dans ce stuff, bon déjà niveau 84 je vous en ai déjà parlé, ça va changer. Il y aura pas mal de, enfin il y aura une vidéo dédiée à ça parce qu'il y aura de l'exo, enfin bon on verra tout ça. Mais en attendant, ouais, un petit Dofus pourpre là, ça serait pas un peu stylé là, sachant qu'on a le bluff qui tape O et R, donc le pourpre un double avantage. Et puis également bah, pour le recap un peu plus tard, on aura le multi-élément totalement. Donc du coup je vais vous montrer, l'objectif c'est de venir monter niveau 80 pour pouvoir acheter, ça dégage les bottes trucs là, pour venir acheter du coup les gènes spirituels de Minotaur, regardez, qui coûte 14 PVtons et qu'on peut obtenir à partir du niveau 80. Voilà, donc 80 c'est cool parce que c'est vrai que moi pour l'instant je voulais les garder pour le Dark Vlad, 16 PVtons. Au niveau 100, donc c'est bien, hein, c'est worth. Maintenant, je pense que voilà, un petit Minotaur qui a également son prix pour 14 seulement et des niveaux 80, bah ça me chauffe d'ouf en fait. Donc je vais vous montrer un petit peu, là vous voyez, on est grade 6, hein, donc on a eu le temps de faire quand même pas mal de tracks hein, depuis le début, depuis sa création les cas. J'avais acheté quand j'étais monté à une centaine des pare-chauds de sagesse, c'était moyen. Et du coup, bah là, regardons, depuis que j'ai acheté, j'ai full gardé, on est à 223, donc c'est vraiment cool. Ça me permet d'acheter 15 captures Minotaur à 14 PVtons. Donc voilà, l'objectif c'est de monter. On s'achètera ensuite 15 captures Minotaur qu'on tapera en arène. On fera une petite vidéo spéciale et on essaiera de dropper un petit Dofus pour les cas, encore une fois, qui est quand même plutôt bien opti. Alors il y aura également une vidéo Dofus sur quoi, j'en ai peut-être déjà parlé, mais il m'en faudra un meilleur pour le prochain stuff. Faudra un peu plus de crit. Donc ça voilà, je taperai également une quinzaine, je pense, de dragon cochon, comme on a déjà fait un petit peu avec l'Emerald et même justement le turquoise. Du coup, ben voilà les potos, on a une première track aujourd'hui. Les tracks c'est compliqué quand même, on va être très honnête, il n'y en a pas des masses. Ah, ben, il est là. Donc c'est un petit créer tout mignon, je sais pas s'il va vouloir. Regardez, hein, franchement le gratis fait plaisir. J'ai acheté le petit boubou à Faudala. Bon, c'est pas un Ginseng, mais bon, j'ai pris dans les premiers prix parce qu'il y avait pas de Jeper de toute façon et ça coûte assez cher. Donc voilà, c'est assez plaisant. Ok les gars, on a enfin une track, incroyable. Alors, on a le mode, j'ai mis le mode 7 PM et j'ai acheté un bouclier Erdala pour qu'on ait plus de PM, parce que justement contre les cras, en plus, wow, il en a 7, donc j'ai très bien fait, on sera un peu mieux comme ça. Donc là j'ai eu 40% de res avec le bouclier à 20%, donc c'est quasiment un GPR, donc ça j'ai pris un G quand même assez correct en HGV, et évidemment toujours le petit boac. Donc voilà, étape du 78 en crit sur mes 40%, donc ça devrait bien aller, surtout qu'on aura du coup les 7 PM, ça va faire du bien, il pourra pas trop fuir, voilà, malgré la cinglante, là on va pouvoir l'attraper, enfin on va pouvoir l'attraper, on va pouvoir commencer à avancer tranquillou. Du coup, est-ce que j'envoie directement le chaton, c'est la question qu'on se pose, on va dire que oui. De toute façon, je l'ai pas encore tapé, donc c'est pas très grave qu'il se régène dessus. Ça va nous permettre de tamponner un peu. Et il le tuera pas en un tour normalement. Donc on est contre un Cryer, au passage, je l'ai pas dit. Niveau 71, grade 2. Need Love. 1166 HP, c'est pas incroyable au niveau de l'opti. Allez, donc il est parti sur les deux premières flèches d'absaut, vous voyez, hein, sur 10% de faiblesse, 126, c'est pas extraordinaire, c'est pas oufissime. Et nous, du coup, avec nos 7 PM, on va venir au Dora, évidemment. Alors là, la petite astuce qu'on m'avait donnée, d'ailleurs, coucou à ceux qui l'avaient dit, faire tous les PM et ensuite utiliser au Dora, c'est pas mal, parce que du coup, bah en fait, on perd les PM d'abord et ensuite on gagne. Du coup, bah là, vous voyez... Ah non, mec, attendez, qu'est-ce que je raconte? On gagne 1 et j'ai perdu. Bon, là, dans mon cas, je... Attends, mais what? Ah, j'ai pas eu la perte. Bon, bref. Et bref. Bref, est-ce que je roue? Ouais, je vais roue parce que je pense que je l'aurai. Je suis en 8 PM là, je crois. Hein. Ouais, j'ai bien gagné un PM, c'est ça. Un PA aussi, un PA pas très utile. Ça le sera un peu plus tard. Alors, un seul PA, je pense pas. Mais deux PA, déjà, ça sera cool quand je pourrai avoir ça. Et c'est ce que je peux avoir avec l'Odorin, que je rappelle, qui est niveau 2. Qui peut donner 2 PA, 2 PM, au mieux. Et au pire, on gagne rien. Donc, ça va. Allez. Du coup, il tue le chaton, voilà. Donc là, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir l'attraper. Je vais roulette. Et je vais passer mon tour. Ça commence bien. Ah là là, c'est dommage parce que du coup j'ai la... Ok, en plus on fait un super bluff. J'avais la roue de la fortune. Ah bah ça, je l'aurai plus. Prochain tour. Bon, là il va prendre la distance. Ça va, il a pas compris que ça c'était une roulette passe-tour. Sinon il aurait... Voilà. Genre là, si l'archi fuit, voilà, il pourra pas m'abso. Donc ça, vous voyez, c'est quelque chose que les gens savent pas trop. Mais même moi, en tant qu'EK, j'ai mis 2-3 combats avant de comprendre comment marcher la roulette. Justement. Et du coup, il tape du 60. Vraiment, voilà, là, ça fait plusieurs tours qu'il me tape sans que moi je le touche. On est plutôt pas mal. Allez, un peu plus de chance sur la roulette, peut-être.
3 PA. En vrai, ça le... Ah si, ça peut lui permettre de mettre juste avant une petite... Enfin, juste après la double abso, ça lui permet de mettre une cinglante, donc c'est un peu chiant. Mais pas dramatique. Allez. Bon, du coup, au passage, pendant qu'il met du temps à jouer, il me faut 2 tracks, les gars. 2 wins en track pour gagner. À moins qu'il met également en track et l'en up grâce à la double track. Mais du coup, ouais, si je prends 2 tracks, je up niveau 80. Ça va au passage me filer griffe de single. Alors, je serai quand 1 sur 12. Donc, je serai un peu loin. Mais par contre, avec le prochain stuff, justement, niveau 84, j'aurai pas mal de CC de base. Et je pense qu'il y aura moyen. On va pouvoir mettre un triple bluff, les gars. On va en profiter. On n'est pas très bien boosté, mais ça fait quand même un 3x100, c'est pas trop mal. Il va bien pouvoir me pousser là, mais bon. Du coup, ouais, avec le prochain stuff, j'aurai pas mal de crits de base, parce que là, j'en ai en fait grâce, j'ai les crits sur les bluffs grâce au chapeau. Mais avec le prochain stuff, j'aurai pas besoin du chapeau et j'aurai suffisamment de crits, donc ça sera cool. Allez, un peu de réussite, s'il vous plaît, sur la roulette. 3 PA pour lui. Eh, les gars... J'ai pas de chance, hein. Ça équilibre le fait qu'il soit un peu moins opti quand même. Un beau bluff quand même, c'est cool. Joli, joli. Sachant que là du coup j'ai le mode où je suis pas en panneau bluff, mais malheureusement, enfin la capte au fou, je suis pas trop fan, même si du coup je la joue. Parce que ça fait moins 100 chances, et moins 100 chances pour le bluff haut, c'est un peu triste. Sachant que je suis par chaud et tout, ça fait juste que j'ai 0 chance, mais c'est un petit peu dommage. Ok, on va pouvoir bien l'attraper. On va se rebooster un peu là. Bon, il va sûrement profiter pour... Oui, ça, monsieur. 2 crits. Oui, monsieur. Let's go. Ça en aime. Sachant que là, les gars, il y avait une chance sur 12 hein, pour les crits réflexes. Enfin, c'était Percept. Hein. Percept, non. Un Percept, c'est 1 sur 7. Mais pour la roue, c'est 1 sur 12. Donc là, vous calculez proba. 1 sur 7 fois 1 sur 12 fois 1 sur 2. On a eu des un petit tour chanson, on va dire ça comme ça. Ok, du coup, on a pris une... On a creusé un petit peu l'écart. 445, on a le double de CHP. On profite de nos 7 PM pour avancer comme un teubé. Je voudrais chaton, puis roue, puis... Enfin, puis roulette, puis bluff. Mais le problème, c'est que... Bon, on va le mettre quand même. Il risque pas de se... Oh, mais c'est incroyable. Il a que des roulettes PA, les gars. C'est cool. D'ailleurs, ouais, j'avais la roulette. Du coup, ouais, il va venir là. Donc, il va peut-être recul. Le chaton qui fait le taf. Joli. Joli petit chaton. Sinon, ouais, les tracks, les gars, en ce moment, encore une fois, je le disais la dernière fois, mais pour de bon, c'est un peu compliqué, hein. Genre, j'ai mis beaucoup de temps à en choper une, là. Voilà, bon, du coup, il va en profiter pour soigner. Par contre, s'il me pousse pas... Bah, de toute façon, il a 7 PM, donc voilà, il fait recul. Il pouvait même mettre une cinglante, tuer le chaton, ou même taper sur moi, je pense. Je l'aurais pas eu, je crois. Ouais, parce que là, il va loin, je peux quand même le hit un coup. Hop, hop. Peut-être le kill. Et oui, le kill qui est validé. C'était pas une double track, il m'avait pas dommage. Et il n'y a malheureusement personne. Voilà. Bon, bah écoutez, on se retrouve pour... Je vais voir si on aura le... Enfin, je vais essayer comme d'hab au moins dans... Enfin, peut-être d'en avoir 3 pour faire une vidéo avec pas mal de choses. Mais vous voyez qu'il n'y a pas de malheureusement de track là. Donc voilà, le petit gratis, on essaie de le solidifier. Même si bon, ça peut tomber. Hein. Mais on va essayer de le garder. Allez, les gars, tout de suite pour une nouvelle track. Ok, les potos, nous avons une track contre un yup. Ok, on va enlever le mode tactique. On va la faire à l'ancienne. C'est mignon comme ça. Du coup, c'est Lokemas Mierda qu'on avait déjà vu ensemble qui avait fait un combat à l'inti. Rappelez-vous ce combat où en gros, bah le mec il était là. On se demandait ce qu'il foutait. Il était là, il restait au cac. Il faisait des intis. Il essayait de nous taper à l'inti. Il a bien évolué depuis. Il est bien mieux stuff, bien meilleur et tout. Donc ça risque d'être assez sympa. Je mets le mat 7 PM avec du coup le boac et le bouclier faudasse. C'est ce qui me permet, voilà, le gratis. Au moins, j'ai pas à être en panneau blop et je peux mettre mon mode à 7 PM. Pour les yops qui peuvent me reposer, surtout que lui, il a 7 PM également. C'est bien plus intéressant. Du coup, bah c'est parti. On a quand même l'ini, ça c'est cool. On invoque le chaton et une roulette. Dommage, ça c'est pas extraordinaire de voir ça. On va se roue directement. Voilà, donc comme d'habitude, dans le tour, on envoie le chaton qui vient mettre les premiers dégâts, qui va venir occuper le petit yop. Voilà, là ça va être un match vraiment serré, les gars. Niveau 74, il y a largement moyen qu'on perde. C'est même. La tendance, je dirais en vrai, hein, contre un yop comme ça. On va voir surtout qu'il y a une roulette 5 en dos qui nous avantage pas du tout. Parce que là, ça va lui permettre sûrement de one shot. Oh, pourquoi? Ah, il est R. Les gars, il est R, je suis con. Mais je suis mort. J'ai oublié qu'il était R. Oh non. Il est R. Ah non, je suis fichu. Oh non, voilà les gars, j'ai perdu hein. Sans résistance, c'est impossible. J'ai absolument 0% de résistance R, les gars. Absolument zéro.
C'est fini, les gars. Là, vous voyez, du coup, j'aurais pu juste mettre l'Erdala et le Boker, mais là, je suis mort, non, clairement. Après, il m'a tapé, il tape du 150. De base, en fait, dites-vous qu'il est feu, mais il joue, enfin, il a mode air aussi. Mais ouais, non, non, là, je peux pas gagner. Je vais directement roulette, on sait pas, sur un malentendu, mais... Enfin, roulette champ, je veux dire. Oh, voilà, ça, ça peut être sympa. Est-ce que je passe aussi? On va taper, de toute façon, on a la roue. Je vais quand même taper, je sais pas si je vais passer, dans tous les cas. Voilà, bah c'est parfait, ça tombe bien. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais faire ça, le réflexe, et on perce, et on bluffe. Et on va voir si ça peut passer. Il nous faudra de la chance, là, pour tempo un maximum, sachant qu'il a... Voilà, il en profite pour se booster, donc il nous reste un tour de chance. Bon, what the fuck? Justement, je disais, il nous faut de la chance. Je sais pas si on va encore pas passer. On va voir ça. On passe pas, c'est incroyable. C'est beau, mais attention, hein, parce que comme je dis, j'ai 0% de res. Lui, il en a, hein, il a le bac R. Il a 23% du coup de res R. Et puis moi, vu que j'ai la capte au fufu, du coup, je tape pas grand-chose en eau. Et c'est un peu compliqué. Bon, on a quand même pas mal d'HP. Maintenant, voilà, il tape 235 une fois boosté. L'avantage de la roulette passe-tour, c'est que ça l'a débuff. Enfin, ça lui a fait un tour en moins. J'ai 400 AG, les gars. Je pense pas que j'y vais, hein, parce que là, lui, il va m'éclater. Là, il va me faire un tour à moins 3000,5. Du coup, on va juste reculer, genre très loin, sachant qu'il a beaucoup de PM, enfin il a 9 PA, plus 7 PM, du coup il peut bon, plus Céleste. C'est ce qu'il va venir faire sûrement, et d'ailleurs s'il le fait, ça m'avantage. J'espère qu'il va le faire les gars, parce que du coup s'il vient, se dire prochain tour, je peux double bluff en profitant moi, parce qu'elle reste 2 tours de la roulette AJ, c'est ce qu'il a l'air de faire. On est d'accord, ouais ouais, j'ai bien la 400 AJ, donc je vais y aller, bon malheureusement je peux en profiter du coup. Mais je vais quand même y aller. Pour un marteau de moon, j'imagine. Bon, c'est chiant de mettre un marteau de moon contre rien. Est-ce que je tempo? Je vais faire un tour de tempo. Je vais rien faire, les gars. Désolé, mais c'est pas très beau, mais je suis obligé là. Là, il faut la jouer. Je le chaffeur, bon. J'aurais vraiment voulu profiter de la roulette, mais je peux vraiment pas en vrai. Ça vaut pas le coup là. Ça vaut pas le coup. Bon, on va faire ça. On va le laisser venir. Prochain tour, on aura le chaton. Bon, après le chaton, il faut juste pas qu'on aille se foutre avec. Il va caler une destin pour mettre quelques petits dégâts en vrai. PKPA. Et nous on a la roulette pour venir nous aider. Hein. On peut passer son tour, on peut se recon, hein, ce qui est très important. Donc on va espérer ça très fortement. Je réfléchis, le contre-coup, je pense que je vais pas le mettre sur le chaton. Je vais venir faire ça. Ça et ne pas lui offrir. Oh oui, 400 AJ monsieur. Oh oui, oh aïe. Alors par contre le chaton il faut qu'il aille là, hein. Voilà comme ça il n'y a pas de zone épée céleste. Et le chaton il nous faut de la chance, il faut pas avoir ça. Parce que même si j'ai eu deux roulettes pas sourds les gars, hein, j'en ai pas profité pour taper énormément. Niveau puissance c'est son dernier tour, mais on a 400 AJ donc là vas-y tape nous bro, il va nous mettre combien, encore du 200 par... Ouais voilà, bon l'avantage c'est que normalement il les mettra pas les prochains tours donc normalement... Ouh... Alors normalement il fait pas ses dégâts hein, les gars. Hein. On est d'accord que là prochain il a plus. Hein. Attends, on va bien voir ça. Mais là ouais je vais full taper. Voilà. Normalement la prochain tour il me met pas les dégâts. Par contre je perds pas la... Ah oui je perds le contre-coup. Attention la boulette. Donc je suis obligé de faire ça malheureusement. Tac. Ah j'ai pas de chance. Ah ce combat. Compliqué. Bon, du coup je suis parti par là. Bon c'est pas très grave. On va faire ça. Il faut que le chaton la démonte. Et j'ai le retour de la chance. Donc là c'est notre chance justement. Ok, chaton, là, j'aurais préféré qu'il fasse du 100 de moyenne en... De dégâts en moyenne, là, ça aurait été better. Sur ces deux tours. Parce que là, du coup, on n'est pas très aidé. Allez, on y croit, on a encore la roulette. Voilà, on a toujours de quoi... Oh! Je suis mort. D'où il met du 200, les gars? D'où il met du 200? Il a plus sa puissance? Je comprends pas. 400 force. Ah bah alors là les gars, j'ai qu'une chose à tenter pour survivre. Parce que je suis actuellement à 177, faut que ça me soigne. Ah bah j'ai... Ah. Et on dégrade. Et on dégrade. 234, putain c'est violent. Putain, je suis dead, j'avais pas les bonnes raies. C'est vrai qu'il a un mode air lui, c'est trop sale. Putain, ça vous voyez c'est le risque. Bon du coup,
ça change rien pour notre objectif. Le grade 6, c'est un peu con qu'on perde pour rapport au bouclier feudalé, justement. Mais l'objectif, pour nous, ça reste le up 80. Donc, on continue sur ça. Ah, c'est trop bête. Je perds à cause du bois. Quand clairement, 0% de reste, je prends du 200 à la céleste. Mais vraiment, j'ai pas compris, là. Hein. En quelle année il avait toujours la puissance, genre? Bon, écoutez... Tant pis, on se retrouve pour une troisième track, les amis. On va essayer. C'est l'objectif d'up niveau 80. Allez, à tout de suite. Les gars, alléluia! J'ai un fight, enfin! Enfin, la track peut-être pour le up. Je l'espère, le up et le re-up grade 6. Normalement, si tout se passe bien. Alors, il a une pute, c'est un sacré, les gars. Il a une pute bleue, donc... Ah, mais merde, c'est un défi, ça, les gars. Alors, attendez. Il faut que je fasse un truc. Je suis con, c'est un défi. Attendez. J'ai fait ça, tac... Voilà, c'est bon. Là, on est en aggro. je l'ai défié sans vrai exprès, il a accepté. Ok, donc, les amis... Tu saoules. Alors, il s'agit donc du coup de mettre le Phtalmo et je vais mettre, je pense, quand même... Je sais pas, il a une pute bleue, les gars, mais bon, on va mettre le Boico. Je pense que c'est un Brain, mais bon. Dans tous les cas, c'est pas très grave. Et on va mettre le Géano avec... La masse de vita possible, voilà, on a tout ce qu'il faut, les gars, je crois. Hein. Tout est bon, let's go. Après cette lose contre le Yup, ah oui, il est pas petit. Bon, je suis désolé, les gars, mais c'est tellement dur de trouver des gens. Le truc, c'est que je up niveau 79, donc tous les mecs 60, moins de 64, là, 64, c'est la limite. Bah, du coup, c'est fané, je peux pas les fight, et ça fait que c'est pas ouf, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il a dit? One more, and then, yeah. Yep, yep, yep. Oh, je veux surtout le up. Ah, il était même pas full vie, il est sérieux. Eh, je lui ai pas demandé. Je lui ai demandé de fight, hein. Je lui ai pas demandé de me laisser win. Il est... Fight. Non. Sérieux, gros. Ah là là. Déjà, le mec, regarde. Je peux pas vous montrer, c'est remonté trop loin. Il arrive, il me dit yo, t'es humility, je suis mort. Ouais, c'est. Mais. Ah, mais joue. Play. Play, bro. Bon, c'est pas que je t'aime pas, mais t'es un sacré, donc je tape quand même, hein, maintenant que je suis boosté, frérot. Vas-y, joue, gros. Eh, je m'en fous, hein, tant pis, hein. Ça fait 50 ans, les gars, que j'attends pour enfin avoir une vie. Ça fait au moins 3 jours que j'ai lancé la vidéo, c'est un peu triste, hein. Aïe, 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 non, mais il passe, mais gros. Bon, les gars, je suis désolé. Bon, du coup, je vais essayer de vous retrouver un combat, on va dire. Après, bon, le combat contre le Yap a été assez long, donc je pense que la vidéo est déjà assez longue, en vrai. Bon, tant pis, désolé, vous aurez le up sur ça, c'est pas très beau. On va reprendre notre grade, notre grade 6 sur ça. Et le niveau 80, c'est là. C'est là le plus important. C'était ça l'objectif de la vidéo. Le voici. Et puis si on clique... Ah non, on n'a pas... Vous voyez, bah écoute, on n'a pas grade 6. Il était que gradant, on gagne, on a gagné quoi, 64 PH, ouais, ça fait pas beaucoup. Mais bon, comme je vous ai dit, le grade, de toute façon, c'est pas très important. Même si, justement, pour le prochain stuff, vu que j'aurai plus la panneau bleu pour les raises, et bah, les boucliers et le boac... Et les boîtes seront importants pour justement avoir un maximum de res. Bon bah les gars, voilà, je pense que ça sera tout. On retrouvera les cas dans la prochaine vidéo. Enfin dans une prochaine vidéo où justement on achètera les captures Minotaur pour ceux qui regardent pas les vidéos PVP. Voilà les cas Minotaur, ils rapportent, ça fait plaisir. N'hésitez pas à liker comme d'hab pour le soutien sur les vidéos PVP, c'est important. Merci à tous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.